Allez, attardons-nous un peu sur les artefacts. Les artefacts, ce sont des objets qui vont vous permettre d'améliorer les statistiques ou même les compétences de vos personnages. Tous les artefacts ont ce même visuel, à savoir une pierre sertie avec le portrait du personnage, personnage qui lui est associé. Ce système d'artefacts va vous demander un peu de farm, un peu beaucoup on va dire, et aussi de la RNG comme on dit dans le jargon, ou si vous préférez, de la chance. Déjà, comment obtenir ces artefacts de base que l'on va améliorer ensuite? Eh bien, il existe deux façons de récupérer ces fameux artefacts. Première méthode, et sûrement la plus rentable, c'est d'utiliser les tokens et doja que vous récupérez en faisant les événements en cours dans le jeu, et notamment les co-op. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de chaque combat, vous allez gagner des tokens et doja qui vont vous permettre de les échanger contre ces fameux artefacts. Pour ce faire, il vous suffit simplement de vous diriger dans le shop de l'événement en question et d'échanger vos tokens contre ces artefacts. Généralement, vous retrouvez uniquement les artefacts des persos synergie dans ce shop. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser le shop qui s'appelle High Artifact Token Exchange. Et c'est dans ce shop là que vous retrouverez tous les artefacts des personnages disponibles dans le jeu. Vous verrez qu'il en existe deux types, ceux en or et ceux en argent. Mais ne vous embêtez pas trop avec ceux en argent, hein, car les versions en or rendront le farm bien plus simple de votre côté. À la limite, les artefacts argentés peuvent peut-être servir pour servir d'objet d'amélioration à vos artefacts dorés. Pour obtenir les tokens à échanger dans ce shop, il vous faudra vous diriger dans le World of Illusion, puis dans la section Radiant Artifact Tokens. Il vous faudra, dans ce niveau-là, farmer la quête de niveau 50 pour obtenir ces fameux tokens. Mais ce n'est pas le tout d'avoir des artefacts, encore faut-il les améliorer au maximum pour bénéficier de leur plein potentiel. Et pour en faire autant, il faut vous diriger dans le menu Enhancement, Enhance, Realize et aller dans l'onglet Artifact. C'est ici que vous retrouverez tous vos artefacts achetés dans les différents shops. Et pour améliorer un artefact, rien de plus simple, il vous suffit d'en sélectionner un et de choisir ensuite les matériaux qui vont lui servir pour monter de niveau, à savoir soit d'autres artefacts, comme je peux le sélectionner là sur l'écran, soit des orbes, ici, et vous pouvez mixer les deux, il n'y a aucun souci. Ces orbes, vous les obtenez en faisant des co-op. Vous pouvez également les échanger dans les deux types de shops dont j'ai parlé précédemment. Une fois monté au niveau 18, votre artefact est considéré comme maxé et vous débloquez alors ses bonus. Vous voyez qu'il change de couleur, il passe de la couleur dorée à la couleur bleue, et à noter qu'une unité ne peut disposer que de 7 artefacts maxés à la fois. Le bouton auto, quant à lui, vous permet très rapidement de sélectionner au maximum 10 artefacts et de les améliorer en quelques clics. C'est très pratique pour gagner du temps. Et c'est avec le bouton Options que vous allez pouvoir définir les différents paramètres pour cette fonction automatique, à savoir est-ce que j'utilise des objets, enfin des matériaux d'amélioration d'une rareté ou d'une autre, ou est-ce que j'utilise des orbes ou pas par exemple. Pour ce qui est des bonus des artefacts, alors attention, ce processus de farm de bonus a un gros caractère de RNG. Donc on va voir ça en détail. Ce que vous pouvez déjà voir dans un premier temps, c'est que chaque artefact donne toujours deux bonus. Ce sont soit des bonus qui sont liés à une augmentation d'une statistique. Par exemple, on peut voir que le premier artefact en haut à gauche nous donne max breath plus 330 et HP plus 1020. Soit une aptitude spéciale qui va différer d'un personnage à l'autre. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la RNG entre en compte dans trois phases dans ce processus d'amélioration de farm des artefacts. Premièrement, la puissance du bonus conféré. Vous le voyez par exemple avec l'artefact est en haut à droite, un artefact peut donner, donne toujours deux bonus, et dans mon cas, il peut donner un bonus écrit en lettres blanches, l'autre écrit en lettres rouges, ou même deux bonus en lettres rouges ou deux bonus en lettres blanches. Les bonus écrits en lettres rouges signifient qu'il est au max, il ne peut pas offrir plus que cette valeur annoncée. En blanc, cela veut dire que le bonus n'est pas au max et donc que vous pourriez obtenir mieux avec une autre version de l'artefact. Vous l'aurez compris, pour optimiser votre personnage, il vous faut mieux miser sur des bonus rouges, car ce sont vraiment les versions les plus efficaces.
Le deuxième élément de RNG, ce sont les combinaisons des bonus. Et en améliorant des artefacts, vous allez vite constater que vous obtiendrez rarement les mêmes combinaisons. Par exemple, dans mon cas, si on reprend l'artefact en haut à gauche, Max Brave HP, on se rend compte qu'on n'a pas d'autres artefacts dans cette configuration-là. Et c'est normal, puisque l'association des deux bonus se fait de manière aléatoire, et vous pouvez clairement voir sur mon écran que même en améliorant 10 artefacts du même personnage, je n'en ai aucun identique en termes de combinaison. Enfin, le nombre de CP associés à l'artefact est lui aussi soumis à la RNG. Par exemple, deux artefacts peuvent être totalement identiques au niveau des bonus, mais peuvent demander un nombre de CP différent. Là aussi, c'est un peu une histoire de chance. Donc dans tous les cas, quel que soit le bonus, leur puissance ou combinaison, un artefact peut vous demander entre 5, 8, 10, 12 ou au maximum 15 CP. C'est donc ce couplage RNG entre la puissance des bonus, leur combinaison et leur nombre de CP qui rend ce farm si pénible. Heureusement, pour la partie puissance de bonus, c'est-à-dire le fait d'obtenir des bonus écrits en rouge et non pas en blanc, vous pouvez vous épargner ce dur labeur en achetant un Mog Pass, que ce soit le basique ou le premium, pas d'importance, ça vous permettra déjà de ne plus vous soucier de ça. Ne vous manquera plus qu'à avoir les bonnes combinaisons avec un bon nombre de CP. Du coup, vient la question de quelle combinaison choisir pour chacun des personnages. Eh bien, pour ce faire, on vous recommande d'aller jeter un œil aussi des Tomberry Troupes qui récapitulent les bonus conseillés pour chacun des persos du jeu. Généralement, si vous tombez sur un artefact attaque plus 108 et max brave plus 330, vous ne ferez pas fausse route en le gardant et en l'équipant. Une fois maxé, vous pourrez retrouver vos artefacts dans l'onglet Artefacts Passives du menu de votre unité. C'est ici que vous retrouverez tous vos artefacts farmés et vous pourrez vous équiper de ceux que vous souhaitez. Pour rappel, vous pouvez vous équiper de 3 artefacts maximum parmi les 7 que vous avez farmés. Il est temps pour nous maintenant de nous pencher sur les Bloomstones, qui sont un type d'équipement un peu particulier, qui peut paraître un peu anodin, mais qui a son importance. Les Bloomstones, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de ce genre d'équipement semblable à une fleur, qui vous permet d'améliorer une de vos compétences, plus précisément la compétence que vous débloquez à votre niveau de cristal 65. Pour obtenir une Bloomstone, vous devez récupérer des Bloom Tokens qui peuvent donc vous permettre dans la boutique d'acheter des Bloomstones spécifiques. Malheureusement, je ne peux pas vous en montrer puisque j'ai déjà acheté toutes les Bloomstones existantes. Il existe une Bloomstone par personnage. Comment obtenir des Bloom Tokens? Eh bien, c'est très simple. Les Bloom Tokens se trouvent un peu partout dans le jeu, notamment sur des événements de coopération. On peut voir que si je vais sur cette boutique de cet événement, il est possible pour moi d'acheter des Bloom Tokens. Mais comme toute pièce d'équipement dans Dissidia Final Fantasy Operaomnia, il ne vous suffira pas d'obtenir une Bloom Token pour pouvoir justement profiter de ses effets bénéfiques. Il vous faudra l'améliorer. Pour améliorer une Bloomstone, vous avez besoin d'une ressource très particulière. Il s'agit des Bloom Fragments. Comme pour les Bloom Tokens, il est très simple d'obtenir des Bloom Fragments puisque vous pouvez en trouver sur les boutiques des événements de coopération ou encore sur les Chocobo Panels. Pour pouvoir monter au maximum une Bloomstone et la maîtriser, vous allez avoir besoin de 60 Bloom Fragments. Une fois maxé, la compétence passive est maîtrisée et vous pouvez donc l'équiper sur votre personnage afin d'améliorer sa compétence qu'il débloque donc au niveau 65 de cristal. On peut voir dans l'exemple de Braska qu'il va gagner une utilisation de sa compétence 65 et que l'effet de cette compétence durera 2 tours de plus. Une fois que vous avez maîtrisé donc la Bloomstone et débloqué sa compétence passive, vous pouvez donc équiper cette compétence passive qui est dans la section équipement passive. Il s'agit pour tous les personnages d'une compétence passive qui vous coûtera 20 CP.
Les sphères sont des objets à usage unique qui procurent un effet permanent à leur porteur. Ces sphères ont été introduites aux côtés des Army X lors de la difficulté 180 et déjà à cette époque, elles n'avaient pas une grosse influence sur les performances de vos unités. Eh bien, 3 ans plus tard, désolé, mais c'est toujours le cas. Donc ne vous concentrez pas sur ce système en priorité, puisqu'il s'agit, comme on le dit, de la cerise sur le gâteau, et pour le coup, là, la cerise, bah, elle est pas bien grosse. Les sphères sont catégorisées selon 5 lettres A, B, C, D. Les sphères A, les plus répandues, offrent des bonus offensifs aux porteurs, des bonus boostant l'attaque, la max brave ou encore l'initial brave. Pour les sphères B, elles sont davantage utiles pour les tanks puisque les conditions d'activation tournent autour de la perte de HP ou de l'esquive. Les sphères C, quant à elles, sont plutôt défensives et vont généralement augmenter l'initial brave ou encore le heal. Pour ce qui est des sphères D, elles confèrent un bonus à toute l'équipe. Et enfin, les sphères E impliquent les unités infligeant des debuffs. Au-delà de cette catégorisation, vous pourrez remarquer que les sphères peuvent être disponibles sous 2 versions. La version classique à pleine puissance, ça correspond à ma première ligne sur mon écran, et la version low cost avec 40% d'efficacité en moins par rapport à la version classique. On parle de Refine Sphere et il s'agit de ma seconde ligne sur mon écran. Alors, ces deux versions de sphères existent car la manière d'obtenir la version classique d'une sphère est bien plus coûteuse que la manière d'obtention de sa version low cost. Du coup, comment obtenir ces fameuses sphères? Eh bien, pour les versions classiques, c'est assez simple. Il suffit de maxer une arme EX à 100%. On parle de max limit break, donc c'est-à-dire maxer l'arme avec 3 lingots, et à la fin de ce processus-là, vous allez obtenir la fameuse sphère du personnage. Généralement, la sphère obtenue convient au personnage associé, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour ce qui est des versions refined ou low cost, il suffit d'utiliser des diamants que vous récupérez durant des co-op. Ces diamants sont dépensables dans un shop spécifique, à durée limitée, moyennant en plus un certain nombre de cristaux. Maintenant que vous savez comment débloquer ou acheter des sphères, on va voir comment les équiper à vos personnages. Et oui, il faut bien qu'elles servent maintenant ces sphères. Avant tout, petite chose à noter, c'est qu'une sphère d'un personnage peut être équipée à n'importe quel autre perso du moment qu'il a les bons slots. On va voir ça un peu en détail. Chaque perso a accès de base à 2 emplacements pour 2 sphères. Et un 3e emplacement se débloquera en maxant la 2e armure du personnage, l'armure EX. Dans ce menu, vous voyez que chaque emplacement est lié à une lettre, ces fameuses catégories de sphères que l'on vient d'analyser un peu plus tôt. Et chaque personnage a sa propre combinaison de sphères. Par exemple ici, Kane a 2 emplacements de sphère A et 1 emplacement de sphère D, là où Cloud, par exemple, a 1 emplacement de sphère A, 1 emplacement de sphère D et 1 emplacement de sphère E. C'est donc à vous d'étudier chaque sphère et de voir quel bonus serait intéressant pour votre unité et en fonction surtout de son kit. A noter qu'une fois équipé, vous ne pourrez pas récupérer la sphère à moins d'avoir un objet spécial. Et de base, nous en avons tous 3 gratuitement. Utilisez-les donc avec parcimonie car si vous en voulez d'autres, il faudra passer à la caisse.